Mais j'appuie. Hein. Tiens. Tiens, ça va. Maintenant, ils arrivent, ils étaient. Eh bien, écoutez, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, à vous toutes et à vous tous. Donc, premier conseil communautaire depuis le retour des vacances. Alors, elles sont déjà bien loin, les vacances, et j'espère qu'elles se sont bien passées, que vous en avez bien profité. Ah, tiens, ça, je ne l'ai pas marqué. Nous saluerons ce soir nos collègues absents pour des raisons de santé. Et sans plus tarder, et avant de commencer, donc vous informer qu'il y aura 3 petites infos en fin de séance. Que comme d'habitude, suite à la gestion de sortie de crise sanitaire et du décret du 1er juin 2021, qui prendra fin le 30 septembre 2021, donc dans quelques jours, la séance sera fermée au public mais ouverte aux journalistes. Elle sera également retransmise comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Que le quorum est abaissé, c'est des choses que vous connaissez maintenant, et que chaque conseiller pourra être porteur de 2 voix. Nous avons le PV du 27 juillet à approuver. Est-ce qu'il y a eu des remarques par rapport à ce PV du dernier conseil communautaire? Non, je vous remercie. Eh bien, je laisse Isabelle. Non, ils ne sont pas notés, ni celui-ci, ni celui-ci. Je laisse Isabelle faire l'appel. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Alors, Christian Montérémar. Jean-Michel Dolphin a donné pouvoir à Christian Montérémar. C'est bien ça? Jean-Michel Tegui. Dorothée Schell. Alors, Yannick Pack a donné pouvoir à Béatrice Moulin-Martin. Béatrice Moulin-Martin. Yann Flamand. Annie Monnery, Kélan Solmaz, Christelle Grangeau, Sébastien André, Elisabeth Thirode, Jean-Charles Malatret, Raymond Coulot, Gilles Bonneton, Régis Vialat, Jacques Garnier, Yann Béraud, Gabriel Gérard, André Mondange, Delphine Albu, Thierry Darbon est excusé, pas de pouvoir, Véronique Robergeau, Jean-Paul Imbleau, Sébastien Courion, Isabelle Dugas présente, Jean-François Pavoni, Gilbert Manin, Denis Merlin, Karel Ogier est excusé et elle a dû donner pouvoir à Pierre Pivotsky. C'est bien ça. Laurent Iltis, Jean-Luc Durieux, Michel Pascal, Serge Mercier, Sylvie Desarnaud, Robert Duranton, René Pay, Josette Bonnet, Marc Rousseval, Marie-Christine Hainaut, Gérard Boussard, Nathalie Linossier, Kérine Bataraille, Laurent Teille, Nathalie Morel, Denis Chambon, Gérard Beck, Olivier Merlin est excusé, donc Sandrine Lecoutre a son pouvoir, et Sandrine, elle est là. Frédéric Desseignet, Axel Montérémar, Philippe Gentil est excusé, Marie-France Libéraux, Coradine Louis a donné son pouvoir à Marie-France Libéraux, il est là, très bien. Christine Rabier, Claude Rouillère, Aïda Chouchane, Michel Croix, Robert Mouchirou, Gilles Vial. Alors, Françoise Muniaz est absente et a donné pouvoir à Gilles Vial. Dominique Giraud, Xavier Azopardi, Claude Lermet, Jean-Marc Rey et Luc Sâtre. Luc absent, excusez. C'est moi, c'est Philippe Gentil qui a donné son pouvoir à Louis Corradini. Et il y a Yann Flamand, si je ne me trompe pas, voilà, qui vient d'arriver. Voilà. Je
Attends, je vais mettre au propre. Eh bien, écoutez, nous allons commencer tout de suite par le point 1 de l'ordre du jour. Le rapport sur le suivi des observations de la Chambre régionale des comptes, et nous donnons la parole à Robert Duranton. Merci, Madame la Présidente. La Chambre régionale des comptes a procédé dans le cadre de son programme de travail au contrôle des comptes et de la gestion de la communauté de communes du Pérou-Roussillonnais de 2012 à 2018. Le rapport d'observation définitif a été présenté au Conseil communautaire de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, issue de la fusion des deux communautés de communes du pays roussillonnais et du territoire de Beaupère le 1er janvier 2019, dans sa réunion du 14 septembre 2020. Donc la présidente de la communauté de communes est appelée à présenter dans un délai d'un an un rapport mentionnant les actions entreprises à la suite des observations réalisées, et ce, avant le 15 septembre 2021. Au lieu de ces dates, Et il a été demandé un report, étant donné que le Conseil communautaire était ce soir le 27 septembre, et qui a été accepté. Donc, il y avait 4 recommandations. Donc, la première, c'était définir un projet de territoire permettant de prioriser des objectifs dans le schéma de mutualisation et le pacte financier et fiscal. Donc, par décision du 6 mai, la présidente de la communauté de communes a confié à la société Noudit une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du projet de territoire d'Hébert. La démarche du projet de territoire vise à projeter une vision et à définir une stratégie territoriale à échéance de 15 ans. Mais il doit également se concrétiser à court terme dans l'action quotidienne avec un programme d'action prioritaire pour les années prochaines. Donc, le projet de territoire devra appréhender la capacité du territoire à financer son projet et définir les leviers permettant de réduire l'écart entre les besoins et les ressources, et pouvant ainsi aboutir à l'élaboration d'un futur pacte financier fiscal. L'élaboration du projet de territoire est conçue en première phase faisant intervenir le positionnement des élus par des entretiens individuels ou des séminaires collectifs de techniciens et d'experts ainsi que des habitants. Un portrait de territoire a été présenté au Conseil communautaire le 28 juin dernier. Le magazine de la communauté de communes d'été 2021 annonce les modalités de consultation des habitants du territoire à partir du questionnaire 6 juin disponible depuis le 15 juillet 2021 en version électronique sur le site Internet, les réseaux sociaux et ou en version papier au siège des Bères et dans les mairies. Le rendu de projet de territoire est attendu pour le printemps 2022. La deuxième recommandation était de renseigner toutes les annexes budgétaires. Bon, c'est une recommandation qui a été réalisée à la date. La recommandation 3, c'était de développer la comptabilité d'engagement et de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement avec autorisation de programme et crédit de paiement. Donc, la comptabilité d'engagement est actuellement systématiquement appliquée sur nos opérations budgétaires. Depuis le premier trimestre 2019, le service finance a mis en place une gestion dématérialisée du suivi de la chaîne comptable avec des circuits de validation électroniques en collaboration avec les responsables des services. Donc, il y a les dépenses hors marché, les dépenses dans le cadre d'un marché public et les dépenses pour versement de subventions à des personnes privées. Quant aux recettes, donc le service finance engage en comptabilité uniquement les recettes liées aux subventions attribuées. Les recettes fiscales ne font pas l'objet d'engagements particuliers, ni les facturations. Lorsque les subventions sont attribuées, sont réceptionnées dans le cadre du P503, le titre émis après encaissement est rattaché à l'engagement comptable pour acompte ou solde. L'exercice budgétaire 2021 n'a pas intégré de plan pluriannuel d'investissement, les PPI, avec autorisation de programme et crédit de paiement. Cette première année budgétaire complète de la nouvelle mandature communautaire porte pour l'essentiel sur des projets d'investissement de la mandature passée, arrivant dans leur phase de réalisation. L'instauration d'un PPI avec APCP pourra être engagé dans les futurs exercices budgétaires qui auront à mettre en œuvre le programme du futur projet de territoire. Recommandation 4,
Donc, compléter le RIFSET avec la cotation des postes et la mise en place de critères pour l'IFSE et le CIA permettant de régulariser l'ensemble du régime indemnitaire. Donc, dans la séance du 18 décembre 2019, le Conseil communautaire a adopté plusieurs délibérations se reportant au temps de travail et au régime indemnitaire des agents communautaires. Donc, vous avez la liste de toutes ces délibérations. Et le régime indemnitaire des agents d'Hébert est par ailleurs complété par d'autres délibérations du Conseil communautaire avec les délibérations qui avaient été jointes. La cotation des postes d'agents a été établie au vu des critères du RIFSET. La régularisation de l'ensemble du régime indemnitaire des agents d'Hébert nous semble donc établie. Donc voilà les... Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Il me semble qu'il n'y a pas de vote. Hein. On prend acte, hein, c'est ça, Serge? Pas de questions. Donc, on prend acte qu'on a bien revu au bout d'un an ce rapport de la Chambre des comptes. Le point 2, pour le pacte financier et fiscal de solidarité. Donc, un contrat de ville a été signé en juillet 2015 par la communauté de communes du Pays Roussillonnais pour une durée de 5 ans pour deux quartiers prioritaires. Le quartier du Vieux Péage aux Ayensins pour 1180 habitants sur la commune du Péage, le quartier de la Route de Sablon avec 1470 habitants sur la commune du Péage de Roussillon et 1040 pour le Péage et 430 pour Roussillon, c'est fait 1470. La répartition des populations de ces deux communes s'établit donc à 2220 habitants pour le Péage et 430 pour Roussillon. Dans le cadre de la mobilisation nationale en faveur des quartiers prioritaires lancée en juillet 2018, les contrats de ville signés en 2015 pour la période 2015-2020 ont été prolongés jusqu'en 2022. Le contrat de ville des deux quartiers, Vieux Péage, Les Ayensins et Route de Sablon, a donc été prolongé jusqu'en 2022. Donc, la signature d'un contrat de ville implique l'établissement par l'intercommunalité signataire d'un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités des charges et recettes entre les communes. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagées ou envisagées à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la DSC, des critères retenus pour la répartition des prélèvements ou reversements du FPIC. À défaut de pacte financier, le Code général des impôts prévoit l'instauration d'une DSC au profit des communes concernées. Donc, par délibération donc, de juillet 2016, la CCPR, puis par délibération du 10 juillet 2009, le Conseil communautaire d'Hébert, ont approuvé un pacte financier fiscal de solidarité qui rappelle les principaux éléments fixant des relations financières et fiscales entre Hébert et l'ensemble des communes membres. Donc, vous avez la liste qui était derrière. Et donc, ce pacte financier intègre par ailleurs des dispositions spécifiques aux communes du péage de Roussillon et de Roussillon au titre de la politique de la ville, prise en charge par Hébert de l'intégralité du financement à déduction faite des aides extérieures pour les postes chargés de mission coordination, aide financière aux actions individualisées, prise en charge par Hébert de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des organismes HLM situés dans les quartiers politiques de la ville. Pour le péage, ça se monte à 16 255 euros et pour Roussillon, à 1001 euros. Donc, cette prise en charge est effectuée au niveau des participations de ces deux communes du FPIC. Prise en charge par Hébert d'une partie des participations communales au FPIC, dont le montant chaque année est fixé par le Conseil communautaire. La réduction complémentaire du FPIC pour la commune de Roussillon est déterminée à partir du chiffre du péage, 12 000 euros, en prenant en compte le nombre de Roussillonnais domiciliés dans le quartier politique de la ville, soit 2324 euros. Donc, les EPCI sont soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, signataires d'un contrat de ville prorogé jusqu'au 31 décembre 2022, et doivent par délibération adopter un nouveau pacte financier et fiscal initialement avant le 31 décembre 2020, puis reporté au 31 décembre 2021.
Donc, à défaut, en tant qu'un pacte financier et fiscal n'a été adopté, ils sont tenus de verser une DSC dans les conditions définies aux articles du Code général des collectivités territoriales. Vous avez le texte là-dessus. Donc, le délai d'adoption du pacte financier et fiscal pour les EPCI soumis en régime de fiscalité professionnelle unique signataire du contrat de ville prorogé jusqu'au 31 décembre 2022, dont fait partie Hébert, et a été reporté au 31 décembre 2021. Le Conseil communautaire du 14 septembre a donc reporté de facto à fin 2021 l'élaboration d'un pacte financier et fiscal de solidarité en conservant pour 2020 les dispositions du pacte financier et fiscal de 2019 en reprenant celui de 6 juillet 2007. L'élaboration d'un nouveau pacte financier et fiscal doit s'inscrire dans le prolongement de l'élaboration du projet de territoire. Son approbation peut difficilement être envisagée avant fin 2021. Il est donc proposé au Conseil communautaire l'adoption pour 2021 de pacte financier et fiscal de solidarité, 6 juin, reprenant les dispositions du pacte adopté dans la délibération du 10 juillet 2019, avec l'actualisation de quelques montants. Merci Robert. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Donc là, c'est une délibération, par contre, donc je mets aux voix. Donc, adoption pour 2021 d'un pacte financier et fiscal de solidarité qui reprenne les dispositions du pacte adopté par les délibérations de 2019 avec actualisation donc, de quelques montants. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Le point 3, Robert ? Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. 2021. Donc, le FPIC repose sur plusieurs principes, l'ensemble intercommunal et la notion de référence. Celui-ci se compose de l'EPCI et des communes membres. La mesure de la richesse se fait à l'échelon intercommunal en additionnant richesse EPCI et ses communes membres. L'indicateur des ressources de référence est le potentiel fiscal agrégé, le PFIA. Celui-ci intègre la quasi-totalité des recettes fiscales déterminées en appliquant aux bases locales et aux taux moyens nationaux imposition ainsi que les dotations forfaitaires. La représentation du prélèvement entre le FPIC, la répartition du prélèvement entre l'EPCI et les communes se fait en deux temps. Dans un premier temps entre l'EPCI et les communes et dans un second temps entre les communes membres. La répartition de droits communs entre les communes se fait en fonction du potentiel financier par habitant et de la population indépendamment de la richesse respective et globale de chaque commune. Des répartitions dérogatoires sont prévues sur certaines conditions. Donc, la préfecture a noté donc, le 10 août 2021 cet ensemble avec une fiche FPIC 2021 d'Hébert. Donc, parmi les données spécifiques de territoire, donc, on a un prélèvement en 2021 de 3 238 128 euros, alors qu'en 2020, Hébert avait enregistré un prélèvement de 3 206 339 euros et un reversement de 79 000, soit un prélèvement total de 3 127 262. Le PFIA par habitant de 907,42 pour une moyenne nationale de 648,12. Un revenu moyen par habitant de 13 760,21 € pour une moyenne nationale de 15 656,18 €. Un effort fiscal par habitant est de 0,85 pour une moyenne nationale à 1,13. Ces différents chiffres établissent une richesse de territoire supérieure à la moyenne nationale et une imposition des ménages inférieure à la moyenne nationale, classant Hébert dans la catégorie des EPCI soumis à prélèvement et ne pouvant attendre de reversement. Donc, la répartition du droit commun du prélèvement entre Hébert et ses communes s'effectue en fonction du coefficient d'intégration fiscale, le CIF, qui mesure l'intégration d'un EPCI par rapport au produit fiscal qu'il perçoit. Et celui-ci est prélevé sur le territoire par les communes et leurs groupements. Donc, le CIF avait connu une hausse anormale en 2020, ne traduisant pas la réalité de la situation du fait de la fusion des deux EPCI intervenue au 1er janvier 2019.
On était passage du CIF ex-CPR à 0,38, 59, 47 en 2018 à 0,50, 52, 85 en 2020. Ce qui a eu pour effet d'augmenter la part de l'EPCI et de baisser celle des communes. En 2020, le CIF est établi selon la réalité des chiffres du territoire, à un niveau légèrement inférieur à celui de 2018 pour l'ex-CPR. Donc on est à 0,37, 58, 38 en 2021, pour 0,38, 59, 47 en 2018 pour l'ex-CPR. Des modifications peuvent être apportées à la répartition des chiffres de droit commun du FPIC dans des conditions très précises. Donc il y a une répartition dérogatoire et une répartition libre. C'est ce qu'on avait choisi au niveau de la CCPR et des BR. Donc depuis l'origine, le FPIC est réparti selon la procédure dérogatoire libre par laquelle le PCI prend en charge une part importante des communes. En 2019, la participation des communes avait été maintenue à leur niveau de 2018. 9 communes avaient eu une participation à régler. Cette participation a été réduite en 2020 du fait de l'évolution du CIF. Pour 2021, donc, il est proposé au Conseil communautaire, au vu du retour du CIF à la normale, de valider une répartition dérogatoire libre du FPIC avec une participation des communes 2021 fixé au niveau des années 2018 et 2019, ce qui remonte la somme pour les communes qui versent au FPIC. Donc la prise en charge de la participation des communes 2,021,115 est ainsi répartie entre 715,822 pour les communes et 1,305,293 pour Hébert. Donc, il y a une situation un peu particulière pour les deux communes du fait des contrats de ville que sont le péage et Roussillon. Hein. Et là, les deux sommes qui sont à déduire, pour le péage, c'est 28 255 et pour Roussillon, c'est 3 325, ce qui fait qu'un solde pour le péage de 3 207 euros et pour Roussillon de 87 128. Alors, vous avez le tableau des procédures dérogatoires qui rappelle ces chiffres sur la page d'à côté. Et on arrive à un total de financement qui s'établit là sur la page 12 pour les 28 communes qui sont à zéro. Et puis, Chana 29 919, Clonaz-sur-Varès 796, Le Péage 3207, Roussillon 87 128, Sablon 18 501, Saint-Albin 14 739, Saint-Clair 87 265, Saint-Maurice 173 400, Salès 269 287. Donc là, on est appelé à délibérer sur cette proposition. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, Claude. C'est pas une question, c'est simplement... Tu disais, Robert, que pour les communes, ça remontait, ça descend le FPIC, c'est-à-dire que toutes les communes payent moins que ce qu'elles devraient payer parce qu'il y a une prise en charge de l'Interco. Donc, l'Interco participe au FPIC de l'ensemble des communes. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense que lors de la CLET, il y a eu des discussions assez poussées sur ce FPIC, avec pour certains la demande carrément que les communes reprennent le FPIC à leur part, à leur charge, hein. Ou autre, et comme il est dit, je pense que c'est important de dire que ça sera dans le prochain pacte financier et fiscal un des éléments à prendre en compte. Aujourd'hui, ce FPIC, c'est bien que ce soit l'Interco qui le paye, mais il faudra sûrement revoir l'équité de tout ça, mais l'équité plus globalement. Et on était, en tout cas, j'étais un de ceux à dire qui votait cette répartition cette année sans aucun problème, mais que je ne la revoterai pas en 2022 s'il n'y avait pas un pacte financier, fiscal et financier. Voilà. Donc, je souhaitais simplement le redire, que tout le monde le sache. Donc, pas de réponse de notre part. Régis? Oui, je rajouterais simplement que, bon, il faut quand même revoir, parce que ce sont des chiffres qui datent de 2014, et bon, c'est bien de reprendre toujours les chiffres, mais c'est vrai que pendant 5-6 ans, il y a quand même des choses qui se sont passées.
Donc voilà, lorsqu'on voit le tableau, on est remonté à 2018. Je peux vous dire que la seule petite différence est simplement liée à ce qu'on donne aux politiques de la ville. Et si vous remontez bien, les chiffres jusqu'en 2014 sont toujours les mêmes. Donc là, je crois qu'il faut quand même se remettre à jour. Moi, j'irai même plus loin que ce qu'a dit Claude. Moi, je vais m'abstenir sur cette chose-là. Et je verrai l'année prochaine si ça a été revu, corrigé. C'est pas peut-être que les chiffres ne vont peut-être pas modifier, mais je crois que n'avoir qu'un plan A à voter, ça me paraît toujours un petit peu bizarre. Et on n'a pas étudié, même en commission des finances, quelque chose qui pourrait peut-être être différent. En plus, en moi, ce n'est pas à moi de juger, c'est un petit peu, je veux dire, tout ce qui est fait au niveau du potentiel financier, toutes les communes, et puis également toutes les richesses qui sont liées un petit peu à ça et qui évoluent à travers les années. Voilà, c'est ma position. Isabelle ? En ce qui me concerne, je n'ai pu participer ni à la commission des finances, ni à la première CLEPT, et je ne pourrais pas davantage participer à la seconde. Donc j'en profite pour demander à ce que les commissions finances puissent permettre, en tout cas, minima, les CLEPT puissent permettre à l'ensemble des maires d'être présents, et qu'on ne nous convoque pas une semaine avant à 14h. Voilà, ça c'est dit. Et pour cette raison, je m'abstiendrai de voter le FPIC, même si ma commune, comme de nombreuses communes, bénéficient de ce système dérogatoire. Voilà, je pense qu'il y avait des discussions à mener, des réflexions à faire en commun, et que je n'ai pas l'intention d'agir comme si j'étais, comme si la commission finance n'était qu'une commission d'enregistrement. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion de discuter, pas eu l'occasion de réfléchir avec mes collègues, donc je m'abstiendrai sur ce sujet. D'autres interventions sur ce point ? Oui, André. Oui, à ce sujet, je vais redire ce que j'ai eu l'occasion de dire au bureau. Je prends l'exemple de ma commune que je connais le mieux, mais peut-être qu'il y a d'autres communes dans le même cas. Si le péage de Roussillon, on est contributeur au FPIC, c'est uniquement dû à notre appartenance à la communauté de communes. Parce que si le péage était une commune riche, ça se saurait. C'est pas vraiment le cas. Mais le fait, puisque dans les critères pour être contributeur, il y a aussi des critères qui sont afférents à la communauté de communes. Et donc, nous sommes contributeurs au FPIC du fait de notre appartenance à la communauté de communes. Alors, j'entends bien que certains puissent demander une autre répartition, mais si on revoit cette répartition et que dans les années futures, on nous demande de prendre en charge une somme plus importante au titre du FPIC, il va falloir réfléchir à des contreparties. Parce que si le fait d'appartenir à la communauté de communes et hébert se traduit par un handicap financier, ça, pour la commune, ça pose un petit problème. Claude ? Oui, j'ai bien entendu ce qui vient d'être dit, sauf que l'ensemble des communes a un FPIC aujourd'hui plus important, ou presque l'ensemble des communes a un FPIC plus important que ce qu'ils devraient payer. D'autre part, je pense réellement qu'il faut répartir, il faut penser à une répartition globale. La richesse, ce n'est pas que ce qui reste sur la table, c'est aussi toutes les compétences faites par la communauté de communes, avec des répartitions des fois qui favorisent ou en tout cas ne défavorisent pas certaines communes. Donc c'est effectivement quelque chose à remettre à plat. Il y a des communes riches, il y en a d'autres moins riches, il y en a d'autres pauvres. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équité. Tout ce qui a été fait à un moment donné que je ne remets pas en question. Mais non, comme le disait Régis, ça date de quelques années et il faut revoir ça. Il y a des répartitions globales à revoir. Et ce n'est pas qu'un des thèmes des finances de la communauté de communes ou des communes. On ne peut pas tout remettre en cause, mais on peut au moins en discuter. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'une commune qui est atteinte. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce point ? Oui, Christelle. Oui, je voulais juste préciser que de faire partie d'une communauté de communes riche permettait d'avoir une AC largement positive par rapport à d'autres qui arrivent d'une communauté de communes plus pauvre et qui se retrouvent dans la situation où ils vont potentiellement payer un FPIC alors que d'habitude, ils recevaient de l'État. Il y a des avantages et des inconvénients.
Gilles. Prenons en garde quand même dans nos discussions de ne pas faire en sorte finalement de dire que c'est un handicap d'être sur un territoire riche qui a encore de grosses potentialités. Moi, je crois que les richesses, bien sûr qu'il faut les partager, surtout celles qu'il va falloir créer, discuter. On peut discuter de tout, il faut sûrement travailler tranquillement sur un certain nombre de sujets. Mais moi, je suis partisan d'être intelligent, parce que notre territoire a de grosses potentialités. Je pense que dans le cadre du projet de territoire, on arrivera petit à petit à affiner dans la temporalité les priorités et les investissements qu'il nous faudra faire, parce qu'on ne deviendra pas riche ou on ne parlera pas de répartition de richesses si on n'arrive pas à la créer sur notre territoire et à la faire venir sur notre territoire. Voilà, c'est mon état d'esprit. Après, ma foi, du moment qu'on accompagne les atouts qu'on a sur le territoire et qu'on les massacre pas, je serai sûrement attentif à un certain nombre de sujets. Mais accompagnons nos atouts, créons la richesse et discutons, une fois qu'on l'a créée, de la nouvelle répartition. Pas d'autres interventions ? Alors moi aussi, j'attends beaucoup du projet de territoire. Mais attention, le projet de territoire, ça ne va pas être une bible mot à mot. Ça va nous donner les grands axes sur lesquels il va falloir qu'on s'oriente. Et là, donc, pour l'année 2022, il y aura quand même des points importants à discuter entre nous pour voir lesquels on priorise ou pas, pour voir vers où on tend ou pas, qu'on prépare un plan pluriannuel d'investissement parce que ça nous est demandé et c'est quand même nécessaire, retravailler sur ce FPIC, monter en puissance parce qu'on en a besoin, parce qu'aujourd'hui on voit bien que les comités de communes, son budget, 43% de son budget, c'est de la dotation. Donc, il va falloir y regarder aussi. Alors, il ne s'agit pas de mettre les communes en déficit, hein, ce n'est pas du tout ça, mais il faut monter en puissance pour pouvoir peut-être avoir une autre rétribution. Après, c'est vrai qu'il y a des historiques, et les historiques ont fait qu'aujourd'hui, on a 5 communes qui sont en négatif, mais ça, c'est l'historique. Donc ça va être à travailler en 2022 et 2023 aussi également. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y avait pas une intercommunalité d'un côté ou de l'autre, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas aujourd'hui, et je ne sais pas si nos finances, elles seraient en tant que communes, si elles seraient aussi haute quelque part, parce qu'il y a quand même des choses importantes au niveau de la structure, de la voirie, même si on n'est pas encore tous dotés de la même façon, mais tout ce qui est culturel également, les zones d'activité, enfin, je veux dire, heureusement qu'il y a eu les interco. Donc, moi, je suis plutôt positive, je veux tirer tout ça par le haut, et j'espère qu'on aura tous, une fois qu'on aura bien intégré ce projet de territoire, un esprit communautaire. Parce que ça aussi, ça va se travailler. Parce que oui, il y a nos communes, mais il y a aussi ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'est l'esprit communautaire. S'il n'y a plus personne pour intervenir, je vais passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Merci. Le point 4, économie. Avec Régis, concernant la ZEDA Rhône-Varez. Donc, comme la présidente parlait des zones économiques, la zone Rhône-Varez, on a encore pas beaucoup de terrain, mais ça doit être presque, peut-être pas le dernier, mais pas loin. Hein, et il y a une société qui veut s'agrandir, qui pour le moment est dans la commune de Saint-Maurice et qui veut s'agrandir, c'est la société Gider Façade. Hein, qui veut créer, j'allais dire, avec ce nouveau bâtiment, 6 emplois. Et la surface totale d'emprise au sol, ça sera de 802 mètres carrés, et avec un bureau, des 3 dépôts, voilà, pour une surface totale de 654. L'avis des domaines était de 45 100. Donc, nous vous proposons de vendre à ce prix-là, ce qui correspond à un prix au mètre carré à 25 euros hors taxe. Vous avez le bâtiment qui va être construit avec un peu de paysage. Et puis également, je veux dire, les 3 dépôts que l'on a parlé où la personne stockera un petit peu son matériel. Donc le conseil communautaire est appelé. Je laisse la parole à la présidente. Donc à délibérer au prix de 25 euros du mètre carré pour un total de 45 100 euros. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Non, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
Adopté. Merci. Le point 4.2, rapport 2020 du territoire 38 pour Laurent. Un petit micro, il n'y en a pas devant toi. Il n'y en a pas. C'est bon, merci. Oui, ok, très bien. Merci, Madame la Présidente. Donc, en application de l'article L1524-5 du CGT, l'Assemblée délibérante doit se prononcer sur le rapport écrit qui est soumis donc, par le représentant exerçant la fonction d'administrateur au sein de la société d'économie mixte, en l'occurrence moi-même. Donc, je décline, enfin, vous avez pu prendre connaissance, je pense, des éléments, mais juste rapidement, je les rappelle. Donc, la société Territoire 38 est composée de 51 actionnaires, 18 administrateurs, 3 censeurs. Au cours de l'exercice 2020, les statuts n'ont pas fait l'objet d'une modification. Le président, comme chacun sait, est Jean-Pierre Barbier, désigné président du CA et directeur général depuis septembre 2017. Et le directeur général délégué, M. Christian Breza. Voilà, donc au 31-12-2020, l'effectif s'élève à 15 postes salariés, représentant 13,44 ETP. Ensuite, moyennant quelques mises à disposition réciproques avec Isère Aménagement et la société Sara Développement, l'effectif retraité s'élève en réalité à 12,45 ETP pour l'exercice 2020. Les comptes de l'exercice donc, sont sur 12 mois à partir du 1er janvier. Seules les rémunérations sur les études, les rémunérations sur les mandats et les produits à l'avancement sur les opérations de construction sont considérées comme de la production vendue et intégrées au chiffre d'affaires comptable. Pour donc la rémunération globale perçue par la société en 2020, le montant total s'élève à 12 462 724 euros. Voilà, et les charges d'exploitation s'élèvent pour leur part à 12 138 804 euros hors taxes, ce qui fait que le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 300 948,35 euros. À noter que la société n'a pas contracté de dette financière à moyen et long terme, mais a par contre bénéficié d'une avance au compte courant d'associés du département des Arts à hauteur de 4 millions d'euros. S'agissant de l'activité opérationnelle de l'exercice écoulé, donc elle se mesure à partir d'une part des dépenses d'investissement enregistrées lors de l'exercice sur les concessions d'aménagement et les mandats, et d'autre part des commercialisations de charges foncières dans les concessions. Le chiffre d'opération de l'exercice 2020 constituait des dépenses d'acquisition foncière, d'études et de travaux, hors rémunération de l'aménageur, frais financiers et frais divers, sur les concessions et les mandats s'élève à 40 436 938 euros hors taxes. À noter également qu'au 31 décembre 2020, il y avait un stock de promesses de vente qui s'élevait à 7,2 millions d'euros hors taxes. Voilà, s'agissant des perspectives pour l'année 2020, la société a engagé les orientations définies sur le plan stratégique 2018-2021 qui avait été approuvé en mars 2018, avec notamment un positionnement sur l'activité immobilière pour compte propre. Enfin, pour ce qui est des événements importants survenus au cours de l'exercice, il y a surtout l'impact donc, de la crise sanitaire, ce qui a amené la société à mettre en œuvre le chômage partiel pour ses salariés à hauteur de 50% du temps de travail, du 23 mars d'abord au 31 mars 2020, puis du 16 avril au 30 avril 2020. Et donc la société a pu bénéficier d'une mesure d'aide de l'État à hauteur de 16 000 euros au titre de l'allocation de ce chômage partiel. On peut souligner qu'elle n'a cependant pas bénéficié de prêts garantis par l'État ou d'autres formes d'aide que celles mentionnées. Voilà. Je passe sur les filiales et participations. Vous avez pu en prendre connaissance. Et donc, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article L1524-5 du CGT, il est proposé à l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le présent rapport tel qu'il vient d'être présenté. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? C'est assez classique, hein, c'est des rapports qu'on voit toutes les années. Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pardon? Si. Il faut qu'on se prononce sur le rapport. On continue donc le 4.3. Alors, c'est la même chose, mais avec Isère Aménagement. Donc, on doit se prononcer également sur le rapport écrit qui vous a été soumis, donc au moins une fois par an, par les représentants exerçant les fonctions d'administrateur au sein de la SPL et ceux siégeant à l'Assemblée spéciale pour les collectivités actionnaires non directement représentées au Conseil d'administration.
Alors, c'est la même chose que vient de vous présenter Laurent. Il y a un vie sur la société. On vous dit que la société est composée de 34 actionnaires, 18 administrateurs et 30 suppléants pour assurer le contrôle analogue, qu'il y a eu 3 modifications ces dernières années par Assemblée générale suite à l'Assemblée générale constitutive du 13 juillet 2021. Les comptes de l'exercice sur 12 mois et ils commencent le 1er janvier. Cuisère Aménagement intervient suivant 3 modes opératoires, les études AMO, les mandats de réalisation et les concessions d'aménagement. Ça, c'est donc les 3 modes opératoires. 3% au titre des actions, 3% le syndicat mixte de la ZIP Salaise-Sablon. Donc, ça, c'est le montant de je vais peut-être trop vite. Ça, c'est le montant par client, il doit m'en composer 40% de rémunération sur les contrats avec Grenoble Almétropole. Bon, le reste nous intéresse un petit peu moins, et donc 3% pour le syndicat mixte. On vous dit que les charges d'exploitation, elles s'élèvent à 4 119 700 et quelques euros, et que le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 302 725 euros. Je vous fais grâce des centimes puisque vous les aviez. Sur le point 3, on vous parle de l'action opérationnelle de l'exercice écoulé. Donc, on vous parle des dépenses d'investissement et des commercialisations de charges foncières dans les concessions. Et on vous dit qu'au 31-12-2020, le stock de promesses de vente s'élève à environ 11 500 000, merci. Ça suit, c'est très bien. Vous avez les perspectives pour l'année 2020 avec des entrées en capital des communes. Elles sont nommées, hein, vous les avez sous les yeux. Et donc, il y a également précisé que le budget prévisionnel 2020, qui a été approuvé par le conseil d'administration le 7 décembre 2020, est prévu bénéficiaire avec un résultat de 81 000 euros après impôt. Les événements importants survenus au cours de l'exercice, eh bien, c'est un petit peu comme pour le précédent rapport, puisque la société a mis en œuvre le chômage partiel pour les salariés à hauteur de 50% du temps de travail. Et ils ont fait cela du 23 mars au 31 mars, soit une semaine, et de nouveau du 16 avril au 30 avril, soit 15 jours, avec une mise en place de télétravail pour les autres périodes, pour la continuité de son activité, en fournissant tout le matériel adapté pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. La société a pu bénéficier d'une mesure d'aide de l'État à hauteur de 19 000 euros au titre de l'allocation du chômage partiel. Et on vous dit également que la société n'a pas bénéficié de prêts garantis d'État ou autre forme d'aide que celle mentionnée ci-dessus, celle que je viens donc énoncer. En conclusion, il vous est donc proposé de vous prononcer sur le présent rapport tel que je viens de vous le présenter. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport ? Non, passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci. Le point 4.4, soutien à l'économie de proximité. Régis. Donc, vous savez, je crois que chaque fois, je le rappelle, mais c'est bon de le dire et de le redire, surtout que c'est surtout beaucoup employé. On verra tout à l'heure le nombre de personnes qu'on peut créer au niveau emploi. Donc, c'est un dispositif commun qui est Uber Région, qui soutient le développement de petites entreprises du commerce et de l'artisanat avec un point de vente. Et ceci pour les projets d'investissement. Alors, c'est quelque chose qui date bien avant du Covid, hein, qui date du 15-16 décembre 2016, qui a été modifié à peu près chaque année, hein, mais qui perdure et qui a été bien employé même pendant le Covid. Et du coup, la communauté, bien sûr, de communes s'appuie sur la région, donc les mêmes critères. Si la région donne, on donne. C'est-à-dire, on donne la moitié de ce que donne la région. Et là, on a trois subventions où il faudra dire, se prononcer pour l'attribution. Alors, c'est bien, lorsqu'on parlait du territoire, donc on en a un petit peu au nord, avec Vernouz, on aura le sud avec Chana, et puis on aura l'est avec Beaurepaire. Vous voyez comme quoi on touche tout le territoire. Donc le premier, société Cum Panis, hein, qui est à Vernouz. Hein, je pense qu'on le connaît parce qu'on l'a fait passer également au niveau initiative, et c'est pour
pour ceux qui connaissent, ils vendent du très bon pain avec beaucoup de bonnes pâtisseries. Et c'est vrai que quelque part, bon, elle a repris et du coup, elle a fait beaucoup de des modifications. Donc, elle demande pour modifier. Et il faut, j'allais dire, comme ils ont un débit plus important que le précédent, il a fallu changer le four. Et voilà, donc c'est un montant des dépenses éligibles à 49 800. Uber, 10%, sachant que la région est à 20%. Donc, on arrive, comme tout est éligible, à 4 980. Il faut savoir qu'ils ont créé, 5 salariés. Donc, ça dit 4 CDI et 1 CDD. Ça fait déjà pas mal. Vous allez voir qu'au bout, on arrive à avoir quand même un nombre non négligeable. On va aller faire les trois. On votera tout en même temps. Donc, le deuxième dont je vous parlais, Ashana, l'URL Stacy Reynaud, coiffeur créateur, qui également, avait un salon de coiffure pendant 6 ans à Lyon et a souhaité, créer son propre salon Ashana dans un local de 58 mètres carrés, bien sûr, avec tout ce qu'il faut, l'enseigne, peinture, cloison et clim. Donc, tout ça s'est pris en compte au niveau des investissements qui ont été créés. Donc, le fonds fera travailler la gérante. Et ce projet, comme beaucoup de projets, ont bénéficié d'un soutien d'initiative Isère-Vallée du Rhône. D'ailleurs, juste une parenthèse, je pense, c'est vrai que depuis juillet, j'avais les chiffres. Il faut savoir qu'on a créé à peu près 40 emplois en donnant, une aide de 54 000 à peu près euros. Je vous rappelle, c'est on rentre, on donne l'emprunt et bien sûr, le remboursement viendra au fur et à mesure et reviendra à zéro. Donc, je pense que vu la somme qui est 8, sachant qu'elle va revenir dès qu'ils vont commencer à rembourser, c'est quand même pas mal de créer presque 40 emplois en 6 mois, surtout pendant cette période 2021. Voilà, donc je reviens un petit peu. Donc, le montant des dépenses éligibles est de 26 934, donc toujours 10%, 2693, sachant que la région, bien sûr, c'est le double. Et l'emprunt bancaire de la totalité était de 28 816. Ça, c'est juste les apports entre ce qui est éligible et non éligible. Ouais. Et puis, il y avait l'apport de la personne elle-même. La troisième société qui est à Bordpère, c'est la société BMF, qui avait un magasin à Saint-Marcellin. Et bon, elle veut se lancer également dans un second commerce de prêt-à-porter féminin à Bordpère. Alors, je vais tout lire les phrases, c'est prêt-à-porter, bijoux, chaussures, maroquinerie, accessoires, tout à fait dans le centre-ville, à la place d'un ancien commerce. Oui, mais je ne voulais pas le dire. Donc, tout à fait en plein centre, la pharmacie est partie un peu ailleurs, voilà, elle s'est décentrée. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un commerce qui est assez lumineux et en plein centre, à côté, sur la place, on va dire, puis une placette de parking. Donc voilà, les investissements du matériel, du mobilier, bien sûr, tout ce qui est, subventionnal, bleu, création de 2 emplois, un CDI et un apprenti, donc il y en a pour 43 949, donc nous 10%, 4 395, vous me faites grâce du 10 centimes, et la région également le double. Voilà. Donc l'emprunt est de 30 764. Donc voilà, déjà avec ces 3, ça fait presque une création de 10 emplois. C'est quelque chose qui tient à cœur et je répète toujours, n'hésitez pas à dire à vos commerces dans chaque commune que cette action entre 10 000 et 50 000 d'investissement peuvent être subventionnées. Voilà. Merci Régis. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 3 dossiers pour Régis? Une belle action. On les reçoit. Oui. Donc, pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté. Le point 5, aménagement du territoire avec l'élaboration de la trame verte et bleue dans notre futur PLUI. Donc, pour répondre à cet enjeu donc, de validation de délibération pour l'élaboration de notre PLU d'ici cette fin d'année 2021, il vous est donc proposé ce soir une assistance dans le cadre des contrats
corridors verts et bleus qui sont répartis sur l'est et l'ouest de notre territoire. Alors, concernant l'ouest de nos territoires, le parc naturel régional du Pilat conduit l'élaboration d'un programme d'action afin de préserver et restaurer la trame écologique de son territoire élargie à son périmètre. Donc, parmi ces actions, il y en a une qui nous intéresse personnellement concernant ce PLUI, c'est l'assistance à l'intégration de la trame verte et bleue dans les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Par cette action, il est donc proposé aux EPCI qui envisagent ou sont en cours d'élaboration d'un PLUI, comme nous, une offre d'expertise spécifique trame verte et bleue. C'est une approche naturaliste et juridique destinée à faciliter la prise en compte des corridors dans nos documents d'urbanisme. Cette mission est évaluée à 50 000 euros. Elle est prise en charge en totalité par les fonds européens, sous réserve, bien entendu, dotation des financements. Concernant l'est du territoire, c'est le Syrah isérois des rivières Rhône-Aval, donc Syrah, hein, c'est le syndicat, qui est porteur de ce contrat vert et bleu et de Bièvre-Valoir, donc conclu avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et des EPCI. La région peut intervenir à hauteur d'un montant de 15 000 euros. Le département également peut intervenir à hauteur d'environ 50% selon les autres financements et sur les bases d'un cahier des charges. Les demandes de subvention sur ce périmètre, donc sur le périmètre de l'Est, seront déposées auprès du Syrah pour le financement région et auprès également du département. Donc, s'il nous est demandé ce soir, c'est de coordonner les différents acteurs, donc Parc naturel régional du Pilat et le Syrah, dans le cadre de l'élaboration de la trame verte et bleue du PLU intercommunal, de m'autoriser à procéder à une demande auprès du Parc naturel régional du Pilat pour bénéficier donc cette offre qu'il nous propose pour cette trame verte et bleue, s'engager à mettre à disposition du PNR Parc naturel régional du Pilat et de son prestataire l'ensemble des données dont Hébert dispose et UG utile à cette mission, de s'engager à participer avec les élus et techniciens aux différents ateliers, groupes de travail et toutes les réunions utiles à la réalisation de la mission que l'on va confier donc au Parc naturel régional, s'engager à identifier les acteurs locaux et personnes ressources pouvant contribuer à cette réalisation, s'engager à prendre en compte les propositions issues de la mission confiée au parc dans le cadre donc de l'élaboration du PLUI et donc m'autoriser à compléter toute formalité et signer tout acte nécessaire à l'exécution de cette présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est une belle opportunité, je pense. Oui, Claude? Oui, non, c'est juste le terme « s'engager à prendre en compte les propositions issues de la mission ». C'est-à-dire qu'on s'engage à les réaliser ou à les prendre en compte. Enfin, voilà, je veux savoir s'il y aura une obligation qu'on ne maîtriserait pas. Alors, comme on en est par là et qu'il va y avoir quand même un travail de concertation entre nos techniciens, nos responsables sur ces thématiques, voilà, donc il va y avoir des allers-retours. Je ne pense pas qu'on nous impose. Enfin, c'est l'idée n'est pas là quand même. Voilà. Voilà. Donc, participation, concertation et échange sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je peux passer aux voix? Donc là, ça me concerne pour ce soir que le parc coordonné, etc. Mais l'engagement auprès de l'étude, c'est juste pour le PNR, hein, puisque le Syrah, elle est, si je ne me trompe pas, je vois le Syrah, elle a été effectuée. Alors, il y aura peut-être des mises à jour, très certainement, je pense. Mais là, pour ce soir, c'est surtout l'engagement avec le parc naturel régional du Pilat. Donc, qui serait contre? Qui s'abstient? Merci à vous, adopté. Le point 6, logement, Christelle. Par délibération du 19 juin 2019, le Conseil communautaire a décidé d'apporter des aides financières à la réalisation de logements locatifs sociaux sur les bases suivantes, 2 000 euros par logement plus et 3 000 euros par logement PLAI. Donc, le Conseil communautaire est appelé à attribuer les aides communautaires sur les opérations suivantes. Donc, à Roussillon, Habitat Dauphinois, pour la construction de 7 logements individuels mitoyens,
soit un total de 17 000 euros. Le péage de Roussillon, SDH, donc acquisition en VFA de 16 logements collectifs, soit une proposition de subvention de 38 000 euros. Toujours le péage de Roussillon avec la SDH, une acquisition en VFA de 24 logements individuels et collectifs, soit un total de 56 000 euros pour cette opération. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Je te laisse continuer, Christelle. Donc, par délibération du 19 juin 2019, donc la même que précédente, le Conseil communautaire a décidé d'apporter la garantie d'emprunt de la communauté de communes à des opérations de logements sociaux sur les bases suivantes. Un pourcentage de garantie d'emprunt au plus égal à celui accordé par la commune d'implantation avec un plafond de 35%. Donc, le Conseil communautaire est appelé à attribuer la garantie d'emprunt de la communauté de communes ainsi définie aux opérations suivantes. Donc, à Salès-sur-Sanne pour Habitat Dauphinois pour la construction de 4 logements locatifs. Donc, on demande à Hébert à hauteur de 35% des montants ci-dessus, en sachant que la commune garantit 65%. Sur Saint-Maurice-l'Exil pour Alpizère Habitat. Donc, pareil, pour la construction de 12 logements locatifs, Hébert s'engage à hauteur de 35%, en sachant que la commune s'engage à 35%, le département de l'Isère à 15% et la CGLLS à 15%. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Le point 7, les locaux industriels, exonération de la TOM 2022. Jacques, un petit micro. Merci. L'article 1521.3 du Code général des impôts permet aux organes délibérants des groupements de communes compétents pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, de déterminer annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. 14 entreprises ont demandé à bénéficier de cette exonération et 13 ont été retenues puisqu'elles remplissaient les critères. Vous avez la liste dessous des 13 entreprises. Le Conseil communautaire est donc appelé à se prononcer sur la décision d'exonérer de TOM ces 13 sociétés dans la mesure où elles n'utilisent pas ce service et qu'elles justifient avoir recours à un tiers pour la gestion de leurs déchets d'activité dans le respect de la réglementation. Le montant total des exonérations est estimé à 150 000 euros. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Eh bien, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 8, environnement. Axel ? Oui, merci. J'ai le gâteau. Oui, donc il s'agit de voter une nouvelle convention avec l'AGEDEN. Donc en fait, c'est déjà mettre fin à la convention existante qui est de 2020-2022 pour l'élaboration de la démarche climat et énergie. Et donc en souscrire une nouvelle avec eux dans le cadre du SPPEH, donc le service public de la performance énergétique de l'habitat. Donc je le dis une fois, je ne le dirai pas deux fois. Voilà, et pour bénéficier donc aussi de tout ce qui est animation autour du plan climat. Voilà, donc dans ce cadre-là, nous avons délibéré le 25 janvier 2021 pour autoriser le département à répondre à l'AMI régional, l'appel à manifestation d'intérêt régional du SPPEH, donc pour la création de la plateforme de rénovation énergétique et le versement des aides SAR. Voilà, donc service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Je dirais qu'une fois aussi. Voilà. Donc pour l'intégration au PCET. Donc le budget pour tout ça a été fixé à 50 centimes par habitant et par an. Donc pour notre collectivité, 33 500 euros par an sur 3 ans, qui seront pris en charge par le département et la communauté de communes. Donc vous avez page 24, voilà, ben bouge, je parle très bien. Le tableau des missions
qui est de la répartition des missions. Donc le département fait l'information de premier niveau, accueil et conseil. En gros, pour vous simplifier les choses, c'est-à-dire que le public, sa destination du public, hein, des citoyens. Donc ils appellent un numéro vert qui est financé par le département. Et le département a aussi conventionné avec la GEDEN, donc pour l'accueil de premier niveau. Donc il y a le conseil personnalisé des ménages pour le département, la sensibilisation, la communication, l'animation des professionnels de la rénovation, la structuration et l'animation des acteurs privés et participation à l'animation régionale. Et pour nous, en complément, donc entre Bièvre et Hérault, nous nous engageons à réaliser le conseil personnalisé des ménages, la sensibilisation, communication, animation auprès des ménages, des audits énergétiques, l'accompagnement à la réalisation des travaux de rénovation globale des ménages, le conseil et l'accompagnement du petit tertiaire privé disposant de locaux de moins de 1000 m², la sensibilisation, la com et l'animation des pros de la rénovation à l'échelle locale, la structuration et l'animation des acteurs publics afin que les particuliers puissent être orientés vers les acteurs spécialisés, ainsi que la structuration et l'animation des acteurs privés et s'impliquer aussi dans l'animation régionale. Donc là, ça tout se recoupe. Donc pour ça, on s'est doté de nouveaux moyens. Donc on a accueilli Virginie Garnier, qui est la chargée de mission rénovation du bâti TEPOS, qui assure donc un rôle d'animation et de coordination au niveau de ce nouveau service public, le fameux SPPEH. Voilà, donc elle va pas faire l'accueil de premier niveau, hein, c'est la GEDEN, mais elle va suivre les dossiers. Donc voilà, donc Virginie Garnier. Donc la GEDEN assurera pour nous le service de conseil et l'accompagnement auprès des particuliers, donc par le biais de cette convention. Donc les engagements qui sont inscrits à la convention d'objectifs sur les 3 ans à venir. Donc c'est le conseil personnalisé au ménage pour la mise en place, avec la mise en place de permanence donc au sein des locaux Hébert, donc à Saint-Maurice et à Beaurepaire. De mémoire, ça serait le deuxième jeudi de chaque mois, il me semble. Mais quand on a édité le document, ce n'était pas encore clair. Voilà. Il y aura une subvention qui traversait à la GEDEN, bien sûr, donc comprise entre 41 550 et 64 250 euros par an. Donc c'est en fonction du nombre d'actes effectués. Voilà. Et le reste à charge, une fois qu'on a récupéré toutes les subventions pour l'intercommunalité, c'est entre 8 600 et 26 750 euros par an, donc sur 3 ans. Et aussi, donc, il y a aussi le bâti Hébert dans cette convention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la plateforme énergétique à destination des particuliers, il y a aussi l'étude et l'accompagnement pour la rénovation du patrimoine Hébert. Donc pour ça aussi, il y a une subvention qui sera versée à la GEDEN, donc entre 20 950 euros et 28 750 euros par an. Voilà. Donc le conseil communautaire est appelé à résilier la convention existante 2020-2022, approuver cette nouvelle convention 2021-2023, autoriser Madame la Présidente à signer la présente convention, affecter les crédits nécessaires au budget des 3 prochaines années et autoriser Madame la Présidente à accomplir toute formalité, signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Alors, sur ce premier point, est-ce que vous avez des questions pour Axel ? Non, c'est clair, c'est parfait. Donc, on va passer au vote de ce premier point. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, merci. Je te laisse continuer. Mais en fait, c'est la même chose, mais avec le département. Donc, il aurait même fallu la passer avant la GEDEN, je pense. Mais donc, en fait, c'est globalement, c'est la même chose. Donc, c'est conventionné avec le département pour faire l'accueil de premier niveau et tout, si tu descends un peu. Là. Voilà, donc, c'est la même délibération du 25 janvier 2021. C'est la même chose. Voilà, création de la plateforme énergétique avec les mêmes missions. Donc, voilà, le département de l'Isère va assurer l'information de premier niveau, le conseil personnalisé. Voilà, donc tout ça, c'est exactement la même chose. Vas-y, descends un petit peu. Bon, c'est pour des. Donc là. Alors, c'est une convention financière et permet de définir les conditions, les modalités des reversements des subventions SAR et régions par le département de l'Isère à la CCEBR. Parce que le département de l'Isère va collecter les subventions pour nous et va nous les reverser dans un second temps. Donc, c'est une convention qui permet de bien inscrire ça dans le marbre pour bien toucher les subventions. Donc, sur la même durée, jusqu'au 31 décembre 2023. Voilà. Donc, vous avez les restes à charge, le versement des acomptes, enfin voilà, vous avez tout le détail. Donc le conseil communautaire a approuvé la convention financière du SPPEH et du programme des certificats d'énergie du département de l'Isère, acté le plan d'action
ce qu'on a déjà présenté plus haut, et autoriser Madame la Présidente à signer et accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Merci Axel. Est-ce qu'il y a des questions ? Il faudra faire un... Oui, juste une précision sur le plan d'action du SPPEH sur 3 ans à 0,50 par habitant. C'est une seule fois, c'est la même chose les deux fois. C'est bien ça, j'ai compris. Merci, ça me rassure. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il faudra quand même qu'on fasse un petit com. Oh, bah alors, Béatrice, excuse-moi. Non, mais ce n'était pas une question, c'était est-ce qu'on a fait un rapport d'activité pour la dernière convention qu'on avait passée avec eux ? Avec la GDM ? Oui. Est-ce qu'on sait combien il y a de foyers qui ont été. Ah, mais la dernière convention, c'était pour la réalisation du plan climat. Donc, il n'y avait pas d'histoire de foyer. Là, par contre, oui, il y aura une. Là, ça sera l'enveloppe budgétaire, elle est capée, une enveloppe basse. On ne va pas y arriver, là. Ah, c'est quand elle appuie, ça me coupe le micro, d'accord. Donc, voilà, donc il n'y a pas de... Là, on aura vraiment l'efficacité du système, parce que ça doit rentrer dans l'enveloppe budgétaire. Il n'y aura pas de surprise au niveau budget. Ce qui est important, oui, mais donc on va voir l'efficacité, on va pouvoir la mesurer comme ça. Voilà. Mais sur la précédente, il n'y avait pas d'efficacité mesurable parce que c'était la définition du plan climat, donc on est arrivé au PCAET, donc ce qui était le but, donc pour nous c'est efficace. Voilà, exactement. D'autres remarques ou questions ? Non, donc je disais qu'il faudra faire une com pour que l'ensemble des communes puissent aussi diffuser, hein, puisque une grande partie de ce dossier s'est tournée vers les publics. Donc, et il ne faudra pas oublier les entreprises également, moins de 1000 m². Donc, il faudra faire une petite com pour qu'on puisse diffuser et que vous, de votre côté, vous puissiez aussi diffuser ensuite dans vos journaux, dans tous les magazines que vous éditez. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté. Le point 9, si je ne me trompe pas, les fonds de concours. Donc, vous connaissez la procédure, on vous rappelle l'enveloppe globale, on vous rappelle comment est-ce que ça doit se répartir. On a déjà vu ce point-là sur le dernier conseil communautaire, puisqu'il y avait des communes qui ont été attributaires. Et donc, ce soir, nous avons deux dossiers. Moissieux sur Delon, concernant la rénovation de la salle des fêtes et aménagement paysager centre-village. Voilà, avec son plan de financement. Et on voit que la commune met plus que le fonds de concours, c'est ce qui est demandé. Enfin, ce qui est demandé, c'est au moins égal. Et la commune de Revel-Tourdan, concernant la réhabilitation de bâtiments communaux, qui concerne des fouques écologiques. Et également avec un plan de financement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Donc, pensez bien à nous renvoyer, pour ceux qui avaient des dossiers en attente, les plans de financement réactualisés et complets, comme il a été demandé au mois de juin 2021 pour tous ceux qui avaient pris rang à un moment donné. Hein, pensez bien à... Alors aujourd'hui, l'enveloppe sur 2021 n'est pas encore mangée, puisque je vous rappelle que sur 2021, nous avions fiché dans le budget, merci Robert, 1 200 000. Donc, on n'y est pas encore au bout. Il reste encore des conseils communautaires d'ici la fin de l'année pour passer d'autres dossiers. Pas de questions particulières. Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Le point 10, ça concerne le foncier, cession de l'ancienne maison médicale de Beaurepaire. Ça devrait aller vite aussi, puisqu'on en a quand même parlé à plusieurs reprises. C'est un point que j'avais décalé, qui était au conseil communautaire de fin juillet, puisqu'on avait eu, entre l'envoi du document
avec les rapports que vous aviez reçus, des nouvelles donnes qui n'étaient pas intégrées. Donc, comme vous le savez, la communauté de communes a approuvé son acquisition au prix de 310 006,65 euros. Donc ça, c'était au mois de mai, me semble-t-il, que je suis allée signer. Et donc, aussitôt après, nous avons engagé la démarche pour le proposer à la vente. Donc, ça concerne, tout le monde a bien compris, l'ancienne médicale, l'ancienne maison médicale à Beaurepaire. Nous avons eu deux propositions, puisqu'on avait poussé jusqu'au 31 août 2021. Une proposition qui s'élève à 183 000 euros et une seconde qui s'élève à 186 500 euros. Donc, je vous propose tout simplement de garder la proposition à 186 500 euros, la proposition la plus intéressante pour nous, puisque le déficit de cette opération, donc vous ferez 310 000 moins, j'ai même pas fait le calcul, je m'en excuse, moins 186 500 euros et le déficit sera partagé entre la commune de Beaurepaire et l'intercommunalité. Donc voilà, ce soir, je vous propose de retenir donc la SCI GFL qui est en cours de création et qui se porte acquéreuse à hauteur de 186 000 euros pour 500 pour sautainement. Cette vente sera faite par acte notarié, bien entendu, à l'office notarial de Maître Deschamps qui se trouve à Beaurepaire. Déficit, je vous l'ai dit, mais je crois que je vous ai tout dit. Et c'est un dossier que j'espère sera clos dans quelques secondes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Non. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté pour la vente à 186 500 euros de ce tellement à la société, à la SCI GFL. Merci à vous. Le point 11, le point des subventions. Alors, centre de soins des cités, c'est pour André, la santé. Oui, le centre de soins des cités, donc la médiation, qui est une structure dont l'objectif est de faciliter l'accès aux droits, à la prévention et aux soins. La médiation santé permet de créer du lien entre l'offre de santé et une population qui éprouve des difficultés à y accéder. Donc aujourd'hui, il y a un poste à équivalent de 0,7 équivalent temps plein qui est basé donc au centre de soins des cités. Vous pouvez voir que dans les données statistiques, le nombre de demandes d'aide est en augmentation, que ce soit les rencontres au centre de soins ou les visites à domicile. Donc, les obstacles de l'accès aux soins, on les connaît. Donc, vous avez dans la nature de la demande des demandes d'accès aux soins pour 57, demandes d'accès aux droits 137, accompagnement physique santé 12, accompagnement physique droit 7, difficulté à trouver des médecins traitants 10, et parfois uniquement, ce sont des contacts téléphoniques pour orienter en fonction de la situation vers les communes limitrophes, mais saturées également, ou par exemple dirigées sur la gériatrie de la clinique des Côtes-du-Rhône. Orientation donc vers la médiation, 56 personnes sont orientées en grande majorité par le secteur social et 23% viennent par le bouche à oreille, signe du bon repérage du dispositif. 6% viennent après avoir vu une affiche. 6% des personnes sont orientées par le secteur santé, infirmiers, centres de soins, pharmacie, centre dentaire de Salaise et la gériatrie. Participation au bilan de santé mis en place. Un seul en 2020, pas d'action collective en raison des conditions sanitaires. Le centre de soins des cités sollicite Hébert pour un montant de 4 000 euros pour la prise en charge des personnes vivant hors quartier prioritaire, puisqu'à l'origine, ce dispositif avait été mis dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville et qu'aujourd'hui, il est élargi. Et pour poursuivre donc les animations collectives
à destination de tous les habitants. Subvention qui est demandée se monte à 41 400 euros. Je rajouterai, pour terminer, que nous avons fait dernièrement la réunion du bilan de cette médiation santé et il s'avère qu'il y a de plus en plus de besoins dans ce cadre-là et qu'il serait nécessaire de créer un second poste. L'ARS y est favorable et je rappelle que l'ARS subventionne à hauteur de 90%. Et peut-être on pourrait justement regarder en fonction des besoins les postes, comment on les répartit en fonction des besoins entre Beaupère et Roussillon. Merci André. Donc là pour ce soir, c'est 4 000 euros qui est sollicité pour le centre de soins des cités. Est-ce qu'il y a des questions à André sur ce point ? Oui, Isabelle. Si André peut me répondre, c'est une précision. Ça signifie que il y a de la demande hors la commune du péage, hors Roussillon, sur l'ensemble du territoire. Ça touche aussi notre ruralité aussi. D'accord. Donc, ok. Merci. Absolument. Pas d'autres. Oui, Claude. Je voulais juste avoir une petite précision sur le nombre d'accès aux soins, le paragraphe d'avant. Voilà. C'est sur quelle période ? C'est juste un nombre de dossiers ou c'est un nombre de personnes ? Sur quelle période ? Il y a un truc qui m'échappe. La nature de la demande. C'est sur une année ? D'accord. C'est un bilan annuel. C'est ça. L'augmentation est importante, mais elle s'explique aussi par cet agrandissement du territoire. ⅟ des personnes rencontrées résident dans ou à proximité des QPV. Et quand tu prends au-dessus, il est dit que, si le paragraphe d'avant, si je ne me trompe pas, nombre de personnes rencontrées, 160, dont 115 nouvelles. Donc, OK. Et là, c'est parce qu'on a augmenté, on est passé des quartiers prioritaires de la ville à l'ensemble du territoire. Ce qui n'est... Voilà, ensemble, oui, enfin, en tout cas, on a augmenté. Sur l'ensemble on a élargi à l'ensemble, voilà, du territoire roussillonnais. Donc, l'augmentation, absolument, elle est quand même due en grande partie à ça, même si majoritairement les personnes restent dans les quartiers, soit des politiques de la ville, soit à proximité. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, hein, je dis simplement il faut, quand on augmente un territoire, forcément, il y a plus de demandes. Bon, je ne sais pas de votre côté, enfin de l'ex-CCPR, au niveau des médecins, mais chez nous, ça va crier misère d'ici très, très peu. Parce qu'on a des médecins qui font actuellement, je ne sais pas, 70 heures par semaine. Donc, même celui qui va arriver pour le remplacer, il en faudrait deux pour en remplacer un, quoi. Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup de mal. Et la moyenne d'âge est élevée. Oui, aussi. Ouais. On a exactement tous les mêmes problématiques. C'est donc 4 000 euros de demander en tant que de subvention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, demandes d'information, questions ? Eh bien, on passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté.
Secours catholique, André. Donc, Secours catholique, association caritative apportant soutien et accompagnement aux personnes rencontrant des difficultés financières en proposant un espace d'écoute confidentiel et convivial, la distribution de colis d'urgence ainsi que des aides financières. Les bénévoles assurant cette fonction d'écoute bénéficient d'une formation. Le Secours catholique répond à la demande urgente par la distribution de colis contenant des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des vêtements, mais également en proposant un accompagnement sur le plus long terme. Outre les lieux d'accueil, le Secours catholique gère également des boutiques solidaires proposant des vêtements, du petit électroménager, de la vaisselle et des livres. Donc, les augmentations en 2020 sont, les demandes d'aide sont en augmentation en 2020. Voilà, c'est valable un peu de partout. Sur Roussillon, sont en tout organisés des cours de tricot et de couture favorisant le lien social, ce qui était aussi particulièrement important dans la période du Covid. En revanche, le territoire de Beaurepaire plus rural se caractérise par un fort isolement d'une partie du public, accueilli parfois doublé d'une grande précarité. À noter que sur 2020, les deux antennes du Secours catholique ont été en partie physiquement fermées du 16 mars au 31 août. Néanmoins, des bénévoles se sont organisés à distance pour permettre, malgré tout, l'attribution de colis d'urgence et d'aides financières. Donc, le Secours catholique sollicite Hébert pour une subvention d'un montant global de 23 000 euros à répartir entre les deux antennes de Beaurepaire et Roussillon. Le Conseil communautaire est par ailleurs appelé à se prononcer sur la convention annuelle de subvention avec le Secours catholique jointe à la note de synthèse. Et je crois que c'est le même montant que l'année dernière, hein, parce qu'ils n'avaient pas sollicité plus. Hein, c'est ça, hein. Voilà. C'est ça. Pour votre information. C'est le même montant, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point, des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté. Secours populaire? Secours populaire, association caritative se concentrant sur la lutte contre la pauvreté, l'exclusion principalement par la distribution de colis alimentaires. Le Secours populaire soutient l'aide aux personnes en situation de précarité, voire pauvreté, par la distribution de colis alimentaires, de produits d'hygiène, mais également en les soutenant dans l'accès aux loisirs et aux vacances, en proposant une aide aux démarches administratives, ainsi qu'une aide aux devoirs. Une participation financière minime de 3 à 5 euros pour l'alimentaire est demandé à chaque personne accueillie lors des distributions alimentaires, braderies, vêtements et autres produits, vacances, colis de Noël, etc., afin de préserver leur dignité. Depuis la crise du Covid, les deux antennes constatent la difficulté, voire l'impossibilité pour beaucoup de personnes accueillies de participer financièrement, même à des très petits tarifs. Une diminution des recettes due à la diminution des activités de vente de vêtements et de braderies diverses couplées à une baisse de dons. Sur le territoire d'Hébert, le Secours populaire a deux antennes, une sur Roussillon et une sur Beaurepaire. Sur Roussillon, en 2020, les 40 bénévoles ont accueilli plus de 700 familles représentant plus de 1700 personnes. En 2020, l'antenne de Roussillon a fermé une semaine du 17 au 26 mars, afin de se réorganiser dans le respect des consignes sanitaires. Du 26 mars au 21 mai, une distribution alimentaire par semaine à l'extérieur des locaux et port de colis aux deux centres d'hébergement tous les 15 jours, livraison de colis, etc. Depuis le 21 mai, reprise des ramasses dans les magasins, dans les grands magasins alimentaires, et vendredi après-midi, pour l'aide alimentaire, suspension du reste des activités jusque fin septembre. Depuis septembre, reprise progressive de l'accueil vestiaire et de la collecte de meubles dans le respect des mesures sanitaires. Le local mis à disposition pour l'accompagnement scolaire et l'aide à l'apprentissage du français est trop exigu
pour reprendre cette activité. Sur 2021, les dons des magasins ont diminué, générant une moindre distribution des produits frais. Sur Borpère, en 2020, l'antenne de Borpère a géré 362 dossiers représentant 810 personnes. Comme en 2019, 30% sont des familles monoparentales, 45% sont des personnes isolées et 9% sont des personnes de plus de 60 ans avec souvent de petites retraites ne suffisant pas à couvrir les besoins alimentaires. À noter que la proportion de personnes isolées et retraitées augmente régulièrement depuis ces dernières années. Pendant le confinement, l'antenne de Borpère a maintenu ses distributions alimentaires grâce à des bénévoles volontaires à l'instar de Roussillon afin de préserver bénévoles à risque de par leur âge ou état de santé. Des personnes inscrites depuis longtemps et dites à risque ne se déplaçant plus, un protocole de livraison a été mis en place afin de ne pas les précariser davantage. En 2021, le comité de Borpère va devoir acheter un camion frigorifique afin d'assurer la poursuite des collectes dans les magasins avec lesquels il fonctionne. L'antenne de Roussillon du Secours Populaire sollicite Hébert pour une subvention d'un montant global de 35 000 euros, c'est-à-dire la même chose que 2020. L'antenne de Borpère du Secours Populaire sollicite Hébert pour une subvention d'un montant global de 12 000 euros, 10 980 en 2019, soit 1 020 euros de plus. À noter un budget en déficit de 9 000 euros de par les raisons évoquées précédemment, baisse de recettes suite à un manque de participation des familles, une baisse de dons et recettes suite à une fermeture partielle en 2020 de la boutique solidaire. Budget en déficit incluant l'acompte de 2 500 euros déjà versé par Hébert. Le bureau propose au conseil communautaire d'identifier la subvention classique du complément apporté en cette période de crise sanitaire. Pour le Secours Populaire de Roussillon, subvention classique, 26 000 euros, la même que 2019. Subvention exceptionnelle, 9 000 euros, identique à 2020. Secours Populaire de Borpère, subvention classique, 3 500 euros, référence 2019. Subvention exceptionnelle, 8 500 euros, 7 480 euros en 2020. Merci, merci André. Il y a aussi les conventions annuelles hein, pour ces deux associations. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce point ? En fait, la répartition, c'est-à-dire ? Oui ? Tout simplement, c'est ce que les associations ont sollicité ? C'était les demandes 2019. En 2019, Roussillon a demandé 26 000 euros, hein, André, et Borpère a demandé 3 500 euros. Et il y a eu une demande de complément faite en 2020 du fait de l'état sanitaire et de la complexité pour pouvoir encadrer et accompagner les personnes qui venaient les voir. Donc, on avait mis une subvention exceptionnelle suite à leur demande toujours, hein, et c'était passé en conseil communautaire, de 9 000 euros pour Roussillon et 7 480 pour Borpère. Ça, c'était ce qui avait été donné en 2020. Et cette année, donc ça ne bouge pas, mais on a voulu dissocier ce qui était le classique hors période Covid et le plus qu'on mettait pour le Covid pour que ce soit plus clair. Donc, pour Roussillon, ça ne bouge pas. Et pour Beaurepaire, c'était 7 480, donc, et il demanderait 8 500 en exceptionnel, du fait aussi encore des conditions, du fait aussi qu'ils ont beaucoup de dossiers et du fait qu'ils veulent changer le camion. Quoi, hein, voilà. Mais les montants du départ, c'était les départs vus avec les associations. C'est sur leur demande, quoi. Oui, c'était les dossiers qu'ils demandaient. D'accord. Merci. Je m'excuse, j'ai répondu, Andréa. Non, tu as bien fait. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions ? Allez, on passe au vote. Donc, suivant ce que vous a décrit André, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. France Victimes.
Donc, l'objet de l'association, l'accueil et l'écoute des victimes atteintes dans leur personne et leurs biens, leur soutien psychologique, leur information sur leurs droits et leur accompagnement social. La gestion et l'animation du bureau d'aide aux victimes au sein du tribunal judiciaire de Vienne, la promotion de toute initiative d'aide aux victimes, de prévention et de médiation en relation avec les partenaires locaux, l'exercice de missions sous mandat judiciaire, enquête sociale rapide, médiation pénale, contrôle judiciaire, administration pour la protection des intérêts des mineurs, audition de mineurs, la participation à la lutte contre les discriminations. Son périmètre est le territoire du ressort du tribunal judiciaire de Vienne, Capi-Vienne, Condrieu-Eglo, Hébert, en partie sur Bièvre-Isère, Communauté et Colline Nord du Dauphiné. Alors, les interventions sur Hébert, l'association reçoit les victimes sur Vienne, mais aussi durant des permanences sur Hébert, qui se tiennent à la gendarmerie et à la mairie de Roussillon. Une juriste et une psychologue interviennent à raison de 2,5 jours par semaine au total sur le territoire. Des groupes de parole pour les personnes victimes de violences conjugales sont également mis en œuvre sur Hébert en partenariat avec le Centre de planification et d'éducation familiale. Co-animation des groupes avec une conseillère conjugale. L'association intervient aussi sur demande sur l'ex-territoire de Beaurepaire pour des situations d'urgence en cas de violence intrafamiliale. Elle s'implique activement dans les travaux du CISPD d'Hébert et du CLSPD de Beaurepaire, la Côte-Saint-André. Donc, les données chiffrées, bilan d'activité 2020, 1384 victimes accompagnées sur la totalité du périmètre d'intervention, 4240 entretiens conduits, 2427 juridiques et 1726 psychologiques et 87 à caractère social, environ 22% des prises en charge concernaient des victimes d'Hébert. 20% pour la CAPI, 38% pour Vienne-Condrieu-Eglo. Concernant les violences intrafamiliales, 607 victimes ont été prises en charge, soit 34% de plus qu'en 2019, ce qui représente 2277 entretiens, dont 1000 avec une psychologue. Subvention Hébert en tant que membre de droit à l'association Hébert cotise à hauteur de 0,63 euros par habitant, soit pour l'année 2021, une subvention de 42 820 euros. Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la convention annuelle de partenariat et financement jointe à la note de synthèse. Merci André. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Donc, France Victime. Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Toujours André ? Prévenir. L'association Prévenir a pour objet de prévenir les inadaptations sociales et la marginalisation, faciliter l'insertion et la promotion sociale des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu. Dans ce cadre, elle intervient sur deux champs d'action, la protection de l'enfance, des actions éducatives, sociales et économiques en direction des jeunes accompagnés. L'association intervient sur le territoire de l'Isère rhodanienne qui regroupe Vienne-Condrieu-Eglo et l'ex-communauté de communes du pays roussillonnais. Elle intervient en priorité sur les quartiers en politique de la ville, mais également sur le centre du péage et sur Saint-Maurice-l'Exil. L'équipe peut également être amenée à intervenir sur d'autres secteurs en fonction des lieux de regroupement des jeunes accompagnés ou identifiés comme nécessitant un suivi attentif. Hébert contribue au financement des actions développées hors champ de la prévention spécialisée. Une convention de partenariat est établie annuellement pour donner un cadre aux actions déployées sur le territoire. Les chantiers éducatifs à destination des publics scolaires durant les périodes de vacances, les activités d'intérêt collectif et solidaire. Il s'agit de projets menés en partenariat avec des structures associatives et qui ne nécessitent pas de technicité particulière. L'action Réveil tes talents, financée par l'État dans le cadre de la politique de la ville. Cette action vise à faire entrer des jeunes de 16 à 18
sortis du système scolaire dans un parcours de remobilisation, d'apprentissage et de socialisation, le repérage des publics invisibles. L'association s'est engagée aux côtés des BER et d'autres partenaires du territoire dans le cadre d'un consortium pour répondre à l'appel à projet lancé par l'État, repérer et mobiliser les publics invisibles et en particulier les plus jeunes d'entre eux. Le bilan 2020, 75 jeunes en relation avec les éducateurs de prévention sur Hébert et 78 accompagnés, dont 24% de filles, 36 jeunes ayant 18 à 20 ans, hausse de 80% par rapport à 2019, et 24 ayant 16-17 ans, baisse de presque 50%. 36 jeunes d'Hébert ont eu accès au chantier permanent, encadrement technique sur 116 qui en ont bénéficié. 73 jeunes ont participé à des chantiers éducatifs avec un encadrement naturellement. Soutien financier d'Hébert en 2020. Hébert a apporté son soutien à l'association à hauteur de 20 000 euros pour l'année 2020. $23 000 qui sont sollicités pour 2021. D'accord. Oui. Le conseil communautaire est également appelé à se prononcer sur la convention annuelle de partenariat et financement jointe à la note de synthèse. Merci André. On passe au vote. Pas de. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Les actions de la prévention de la délinquance. Alors, entre Bièvre et Rhône, communauté de communes s'est dotée d'une stratégie de prévention de la délinquance et de la radicalisation. En 2018, elle repose sur 4 axes. Agir en faveur des jeunes exposés à la délinquance, prévenir les violences faites aux femmes, améliorer la tranquillité publique, plan de prévention de la radicalisation. Les nouvelles orientations départementales pour la période 2020-2024 fixent les priorités d'intervention sur les jeunes, les personnes vulnérables, la population, la gouvernance, la sécurité routière. Programmation 2021, dans le cadre des appels à projets 2021 du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de celui dédié à la radicalisation, plusieurs projets ont été déposés sur le territoire d'Hébert. Ils se sont récapitulés dans le tableau ci-dessous avec indication des montants demandés de l'État et à l'État et Hébert. Donc là, vous avez le tableau avec les axes, les actions, les structures, le coût total de l'action, la prise en charge de l'État et la prise en charge des BER. Afin de contrôler les actions localement, il est proposé que la Comcom puisse abonder sur certains projets. L'intercommunalité avait soutenu les années précédentes plusieurs actions, dont notamment l'intervention d'une psychothérapeute auprès d'un groupe de jeunes sur la thématique des addictions. Des sessions de formation auprès des élus et des professionnels sont par ailleurs régulièrement proposées pour accompagner les acteurs de terrain dans la prise en charge des publics cibles. Ces actions contribuent à la mise en réseau des partenaires et à la bonne coordination entre les structures accompagnantes du territoire. La communauté de communes a ainsi impulsé le réseau dédié à la prise en charge des violences intrafamiliales. Dans ce contexte, un soutien financier est proposé pour les actions suivantes au titre de l'année 2021. 2 000 euros à la ville du Péage de Roussillon pour vivre ensemble à Péage de Roussillon. Action pour promouvoir les valeurs de la République au travers d'un reportage photographique réalisé par les jeunes. 3 000 euros au centre social du Roussillonnais pour une action qui s'intitule « Débattre pour ne pas se battre ». Formation à destination des professionnels jeunesse du territoire.
animateurs des centres sociaux, des associations, des services jeunesse municipaux, des assistantes sociales, pour qu'ils puissent ensuite intervenir dans les établissements scolaires, écoles, collèges, pour animer des ateliers dans les classes sur la question de la violence au sens large, que ce soit les violences verbales, sexuelles, physiques, morales ou familiales. Merci André. Des questions sur ce point ? Alors on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc adopté. Et sur la dernière subvention de cette liste, la subvention, le Ticodrome. C'est pas pour moi, ça. Le Ticodrome, c'est un petit oiseau, le Ticodrome. Bref, le Ticodrome, c'est une association agréée au titre de la protection de l'environnement, qui est donc un centre de soins pour animaux sauvages blessés ou découverts en détresse par le grand public. Et donc, on a un petit retour sur notre territoire, puisqu'on nous dit qu'il accueille entre 1900 et 2000 animaux chaque année, et qu'il reçoit également 7000 appels. Il me semblait qu'il y avait un petit retour sur notre territoire, le nombre. Ben non, je ne sais pas, mais je croyais que je l'avais vu, je m'en excuse. Donc, il présente une demande de subvention à Hébert au titre de son activité, plus particulièrement pour les animaux découverts sur le territoire, établi sur le montant de 1 centime d'euro par habitant. Si donc on prend notre population au 1er janvier 2021, ce qui ferait une subvention de 680 euros. C'était 679,71, on a arrondi à 680 euros. Voilà, donc ils nous ont sollicité et il nous semblait intéressant. On en a parlé en bureau élargi, il nous semblait intéressant de. Pourquoi pas ? Qui veut rajouter quelque chose ? Elle est sans problème. Où est-ce qu'elle est ? C'est une association qui est sur le Gard, c'est en Isère. Le gars, le comment on dit, le Gois, excuse, je sais pas comment on prononce, c'est une association isérois avec un site isérois. Pas de remarques, pas de questions. Alors comme ça sera la première. C'est vrai qu'on n'a pas d'éléments chiffrés vraiment sur notre territoire parce qu'on n'a jamais adhéré, donc c'est des choses qu'on pourra demander. L'année prochaine, tu trouves un cygne au bord du Rhône, par exemple, oui, qui est blessé, qui a reçu un plomb. C'est arrivé hein, de mémoire sur la commune de Revel-Tourdan, une buse avec un plomb, voilà, ou blessé, tapé par un véhicule, ou une ligne, enfin bon. Vous irez voir sur leur site, ils ont un site. Oui, il faut qu'il soit sauvage. Oui, il ne faut pas emmener sa poule de. Non, sa poule domestique, ça ne marche pas. Nous, la commune, on a fait appel à eux pour une buse qui avait été tapée par une voiture et qui nous a été ramenée par un habitant. Et quand on arrive dans le bureau avec une buse dans un carton, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, ces gens-là nous dépannent bien. Je pense que c'est un vrai service d'utilité publique. Oui, juste pour signaler que la commune de Bellegarde-Poussieux avait déjà une convention avec le Ticodrome et effectivement, on avait fait appel à eux pour plusieurs oiseaux trouvés sur la commune. Parfait. D'autres interventions ? Qui connaissait le Ticodrome ? Un petit coup comme ça, lui un peu les mains. 3, 4, 5, moi je connaissais aussi, donc Sonnet, oui, d'accord. Ok, donc ça aussi on fera passer l'information, parce que c'est peut-être intéressant d'avoir un numéro de téléphone. On passe au vote, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Au assainissement, Jean-Charles. Donc l'assainissement, acquisition de biens, lotissement Grange-Neuve à Beaupère. En décembre 2019, l'association du lotissement Grange-Neuve à Beaupère a sollicité le service des eaux entre Hébert, Bièvre et Rhône pour la reprise du poste de refoulement du lotissement par la collectivité. La voirie de ce lotissement est publique. Le poste permet de refouler l'assainissement et l'évacuation des 8 maisons du lotissement. Il est proposé au conseil communautaire d'intégrer dans le patrimoine public de la communauté le poste de refoulement.
les branchements des 8 maisons en partie publique et la conduite de refoulement. L'association du lotissement s'est engagée à mettre aux normes l'armoire électrique du poste afin de la mettre au même niveau que celle des installations des eaux d'Hébert. Donc, il y en a pour 3 547,45 €. Donc, aux frais de l'association du lotissement, là, du syndic. Cette cession consentie à titre gratuit s'effectuera par acte notarié rédigé à l'office Quéreron-Grattier des Champs, à Beaurepaire. Bon, il faut dire que les services des eaux d'Hébert ont regardé les canalisations, l'état des canalisations, et des raccordements, tout est en état. Ça a été très bien conservé. Étant donné que la voie est publique, nous prenons donc ce lotissement en propriété. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point pour Jean-Charles ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Le point 2, Jean-Charles. Alors là, c'est deux dégrèvements hein, pour donc, un total de 101,73 € TTC en eau. Et 149,23 € TTC en assainissement. Donc, c'est sur des fuites d'eau, de canalisation ou de toilettes. Voilà. Ça a été approuvé en réunion, donc le 11 mai dernier, en régie. D'accord. Donc, deux dégrèvements. Des questions ? Non. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, adopté. Jean du Voyage, Christelle. Donc, on a appelé à prendre une position sur un charge de déficit. Donc, c'est la société SG2A Hacienda qui a été retenue à partir de juillet 2016 pour gérer nos trois aires d'accueil des gens du voyage. D'août 2017 à mars 2018, l'entreprise a fait face à un turnover complet et multiple de tous les personnels concernés par le contrat avec la collectivité, les agents d'accueil, les agents d'entretien, les coordinateurs départementaux, les responsables régionaux. Cette période a donc été marquée par une désorganisation des équipes provoquant une dégradation de la prestation, notamment en termes d'entretien, des équipements et de la tenue de la régie. Cette situation explique en partie les déficits constatés. Il y a eu un vol par effraction d'une somme de 3 294,96 € en espèces dans le coffre de l'aire d'accueil de Saint-Maurice-l'Exil le 6 décembre 2017 et deux erreurs de caisse dans la gestion de la régie début 2018 pour un montant de 3 847,75 €. Le régisseur des aires d'accueil en cette période était Madame LS. Cette personne a été en fonction et réalisait donc les encaissements de début septembre 2017 à fin janvier 2018. Donc, le manque de réactivité d'Hacienda pour fournir les documents nécessaires à l'établissement des arrêtés de nomination a fait que cette personne n'a pas été officiellement nommée régisseur. Sa responsabilité concrète est difficile à établir. Donc, sur conseil de la trésorerie de Roussillon, cette dame avait été informée à plusieurs reprises de la possibilité de demander une remise gracieuse. Devant la responsabilité indirecte d'Hacienda, les manquements clairs sur le contenu de sa prestation et le risque de non-solvabilité, une négociation amiable a été entamée avec l'entreprise pour une prise en charge d'une partie du déficit global. Donc, cette négociation a abouti début 2020 à la prise en charge par Hacienda du montant équivalent au vol, soit 3 294,96 €, qui est venu en déduction d'une facture mensuelle. Il nous reste donc à se positionner sur la prise en charge du déficit restant, soit d'un montant de 3 847,75 €. Merci Christelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Oui, Claude. On parle d'une prise en charge financière. À aucun moment, on parle de la remise en cause de la prestation. Je vois, ça m'interpelle un peu. Donc, au niveau de la prestation, il y avait eu des allers-retours entre les services et Hacienda,
puisqu'on a bien noté sur les documents que la prestation n'avait pas été assurée correctement. Après, avec négociation, donc il y a pratiquement la moitié, on va dire, de la totalité de l'enveloppe. Une partie a été prise par l'entreprise. Après, je n'ai pas plus d'informations puisque je suis en poste que depuis 2020 et que ça s'est passé entre 2016 et 2018. Oui, Claude, encore, dis-moi, dis-nous. C'est un temps indéterminé ou il y a un temps de... La prestation, elle est dans le temps, elle est limitée ? Non, c'est une convention, donc il y a un appel d'offres qui est lancé au moment de la remise en cause de la convention. Il me semble de mémoire qu'elle était pour 3 ou 5 ans. Donc la prochaine date de remise en cause, c'est quand ? On apportera le complément parce que peut-être qu'on ne l'a pas là, mais quoi qu'il en soit, à la suite de ce dossier, on n'a plus rien à redire, me semble-t-il, par rapport à la prestation d'Ascienda. Voilà, Pour information, donc depuis 2020, le personnel en place est très compétent. On est toujours sous convention avec Ascienda, mais vraiment, les choses ont vraiment évolué. On est vraiment sur une prestation de service correcte par rapport à la convention. On n'a plus aucun souci. Prise en compte des remarques. Oui. Oui, mais à un moment donné, même si c'est une personne qui ne travaille plus, en tant que responsable d'entreprise, tu es responsable aussi de ton personnel. Donc, effectivement, on en a beaucoup discuté et on est arrivé sur quelque chose de plus que correct. Mais oui, effectivement, les conventions sont discutées à chaque renouvellement. Oui, moi, je m'interroge pour savoir pourquoi, en fait, la prise en charge, c'est ce qu'on appelle l'erreur de caisse. Donc, du coup, ça me fait aussi un peu sourire, parce que 3000, enfin, l'erreur de caisse de 3000, je ne sais pas combien, c'est un peu... Enfin, je pense que, voilà, c'est un mot qui passe bien, quoi, on va dire. Et parce que, par contre, alors, autant, bon, bah, c'est vrai que pour le vol, on peut dire que ça ne relève pas de la responsabilité d'Ascienda, quoi. Ils ont été cambriolés, ils y étaient pour rien. Autant l'erreur de caisse, quelque part, c'est aussi un peu de leur faute. C'est eux qui auraient dû gérer leur personnel. Donc, qu'on prenne en charge les 3200 euros de vol, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais plutôt fait l'inverse, en fait. Enfin, négocier pour la prise en charge des 3200 et laisser à la charge de l'opérateur les 3800, où il me semble que là, il a plus de responsabilités que sur le vol. Oui, sur le principe, je suis d'accord. En fait, cette négociation, elle aboutit début 2020. Donc, ça a été calé début 2020. Et aujourd'hui, donc, c'est la trésorerie qui nous interpelle, qui nous dit, vous avez peut-être négocié et travaillé avec Ascienda début 2020, mais il y a toujours ces 3847,17 qui apparaissent dans les comptes qui ne doivent plus y être. Donc, il faut qu'on régularise. Mais bon, les négociations ont été vues il y a quelque temps déjà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, Robert. Moi, Serge, je n'ai pas la valeur de la prestation annuelle. Tu l'as ? Non, la prestation est importante. Mais n'oubliez pas que la personne, c'est une régisseur. Ce n'est pas l'entreprise qui est responsable. Puisque elle gère des fonds de la communauté de communes. Donc, le lien Ascienda et régisseur, il n'a pas lieu d'être. Ascienda a déjà fait un effort par rapport à ça. Et par rapport à la masse, en effet, du service que Christelle a évoqué, gérer ces aires d'accueil, ce n'est vraiment pas simple. Quand on lance les consultations, on n'en a pas beaucoup qui répondent. Et dans ceux qui répondent, c'est vrai, il faut reconnaître, depuis quelque temps, l'Ascienda n'a pas de souci avec eux, quoi. Donc, je crois qu'il faut remettre toutes les choses dans le... Non, mais elle fait une régie pour le compte de l'intercommunalité. Elle est pour l'interco. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, c'est par rapport à. C'est pour que cette personne, qui a la situation qu'elle a, ne soit pas obligée de payer cette somme-là. Parce que c'est la personne qui aurait dû payer. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, je vous connaissez bien.
Tout à fait. Merci de la précision. Donc, les rencontres du cinéma qui ont lieu chaque année à Beaurepaire auront lieu cette année du 14 au 17 octobre. Et en vue de l'édition 2021, une campagne de sponsoring est réalisée comme chaque année auprès des entreprises du territoire afin d'apporter des financements complémentaires. Donc, c'est quelque chose que l'on fait toutes les années. Il y a 2 ans en arrière, on arrivait à avoir à peu près 34 000 euros ou 36 000 euros, je ne sais plus exactement, de sponsoring. L'année dernière, bien sûr, a été particulière, mais on ne les a pas sollicités. Et donc, cette année, nous relançons la démarche du sponsoring selon 3 formules. La formule cinéphile qui correspond au soutien entre 1 000 et 1 500 euros, la formule grand écran entre 2 000 et 2 500 euros et la formule challenge à 3 000 euros. Donc, vous aviez tout ceci dans le document qui était joint à la note de synthèse avec le détail de ce qui avait été fait en 2020 et de ce qui, au niveau des animations, et ce qui est prévu en 2021. Cette année, le sponsoring a déjà bien fonctionné. Voilà, on s'est permis quand même de commencer les démarches, bien évidemment, puisque nous sommes déjà fin septembre. Je crois que nous avons atteint à peu près un peu plus de 20 000 euros. Voilà. Donc, on vous demande simplement d'approuver les modalités de partenariat qui sont fixées dans le dossier et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, on mettra, oui, dans le compte-rendu, le budget total prévisionnel, parce qu'ensuite, il y aura le bilan qui sera fait, puisque c'est en tout cas 3-4 semaines, oui. Donc, c'est pratiquement là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Non, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci, adopté. Avant de vous lâcher, 20h31, bravo. Avant de vous lâcher, donc les 3 informations que j'ai annoncées en début de réunion. Donc, la conférence de territoire de l'Isère rhodanienne a lieu le lundi 11 octobre. Ce soir-là, nous avons une thématique qui est importante, c'est le CTG, le contrat territorial global. Hein, c'est ça, global, G ? Oui, global. Donc, moi, ceux qui ont des dossiers en cours avec le département, j'engage à ce que vous sollicitiez vos adjoints, si vous le voulez bien, hein, parce que je pense que c'est aussi important que vous soyez présents sur la thématique. Et attention, ça sera au sémaphore, le lundi 11. Donc, si vous avez des dossiers, alors voilà, donc essayez de faire au mieux, parce que, et donc j'ai demandé à Frédéric Puissat, qui gère tout ce qui est aménagement du territoire, conférence de territoire, de ne plus flécher les lundis, parce que voilà, ça va être compliqué. Bon, il y en a que 3 dans l'année, mais donc elle va essayer d'en prendre compte. Donc, essayez de voir avec vos élus, ça c'est une chose. Je l'ai annoncé en bureau élargi il y a 15 jours, puisqu'il n'y avait pas de bureau la semaine dernière. Donc, j'ai validé la candidature de Pascal Joly, qui viendra à partir du 15 novembre, donc nouveau DGS à la communauté de communes, pour avoir un temps jusqu'à la fin d'année avec Serge, puisque Serge... Je vous l'ai déjà dit, mais peut-être que tous n'étaient pas présents. Donc, fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril
2022. Et donc, voilà, donc Pascal Joly qui vient du département. Donc, ça, c'est une deuxième information. Et la troisième information, comme le mois de septembre a été dense et qu'on a bien travaillé, il n'y aura pas de bureau le lundi 4 octobre. Puisqu'il y a très peu de points, donc on garde les autres lundis. Je vais essayer de voir comment on recale pour arriver sur le 20 décembre. Donc, il n'y aura pas de bureau la semaine prochaine. Merci de votre écoute. Bon retour. Merci à nos services. Merci à la presse. Monsieur Fauzel, je ne sais plus où il est, par là-bas. Il est parti. Ah, tu as une question? Alors, le congrès des maires, le CAR, vous aurez l'information dans la semaine, il est en cours. Ah, je ne sais pas l'itinéraire qu'il a. On pose la question. On te fait le retour, Raymond. La deuxième chose, c'est l'information. Nous avons un camp de gens du voyage qui s'est installé. Ah oui.